Piloté par le GIP Aronax et en partenariat avec les laboratoires et hôpitaux nantais, Aronax Plus est un équipement d'excellence Equipex, financé par le Programme des investissements d'avenir, PIA, géré par l'Agence nationale de la recherche. Aronax Plus est au cœur d'un écosystème académique pluridisciplinaire allant de la recherche fondamentale aux patients et en lien avec les labex IRON et IGO. Il a pour objectif de structurer un pôle de recherche d'excellence en médecine nucléaire et de développer une filière industrielle radiopharmaceutique centrée sur Nantes et sa région. Pour explorer le potentiel d'imagerie et de thérapie des radiopharmaceutiques appliquées à de nombreuses pathologies, tout en maîtrisant la mise en œuvre de la radioactivité, Aronax Plus a constitué 4 plateformes scientifiques et technologiques, ainsi qu'un volet de formation des professionnels. Tout ceci constitue une chaîne de valeur ouverte au monde académique et au monde industriel. Le cyclotron Aronax est unique au monde par ses caractéristiques techniques innovantes. Il peut accélérer plusieurs types de particules dans une large gamme d'énergie et produit de nombreux radionucléides d'intérêt médical. Le cyclotron doit répondre aux défis de la production à très haute énergie de radionucléides tels que cuivre-67, strontium-82 et scandium-47. Il doit produire de grandes quantités de radionucléides et donc travailler à très haute intensité. Dans ces conditions de haute intensité et de haute énergie, l'activation devient un enjeu majeur. Pour optimiser les conditions de sécurité, des procédures spécifiques de travail et de radioprotection ont été mises en place. Le développement de nouveaux produits radiopharmaceutiques est basé sur la synthèse de précurseurs permettant un marquage rapide et efficace avec des radionucléides d'intérêt à la fois pour l'imagerie et la thérapie. Des études fondamentales, à la fois in silico et expérimentales, sur les propriétés chimiques des éléments mal connus, comme l'ASTAT 211, sont nécessaires. La synthèse de nouveaux ligands ou traceurs et l'optimisation de leur marquage sont les domaines des laboratoires partenaires. Pour réaliser des essais cliniques avec ces radionucléides et radiopharmaceutiques, une extension de la pharmacie à usage intérieur du CHU de Nantes a été mise en place. La production de produits radiopharmaceutiques dans les conditions des bonnes pratiques de fabrication nécessite des locaux et équipements spécifiques. Cellules blindées, systèmes automatiques de purification, de synthèse et de distribution dans un environnement aseptique, ainsi que des instruments de contrôle qualité adaptés et qualifiés. L'objectif est d'innover en imagerie moléculaire et en radiothérapie ciblée, en particulier en utilisant des radionucléides émetteurs de particules alpha, en mettant l'accent sur l'imagerie quantitative et la dosimétrie. L'imagerie moléculaire et la recherche préclinique sont des étapes clés dans le développement de produits radiopharmaceutiques. Pour cela, 2 plateformes d'expérimentation animale sont également partie prenante du projet Aronax Plus. Elles offrent toute l'instrumentation nécessaire à l'imagerie des rongeurs, souris et rats, mais aussi des carnivores domestiques, chiens et chats, et des primates. Le département commun de médecine nucléaire CHU Nantes et Institut de cancérologie de l'Ouest complètent le système avec ses plateformes d'imagerie et de thérapie métabolique humaine. L'interaction avec la matière inerte et vivante des rayonnements, en particulier du rayonnement alpha, est un sujet de science fondamentale d'actualité. Pour la matière inerte, Aronax Plus propose des méthodes de contrôle non destructif multi-élémentaire pour l'analyse en profondeur, jusqu'à quelques millimètres, et un microscope électronique à balayage pour les analyses de surface. Il est aussi possible d'étudier les mécanismes liés à la radiolyse de l'eau. La radiolyse est un problème pour la stabilité des médicaments radiopharmaceutiques qui sont utilisés à forte activité. Notre installation possède une particularité unique avec la possibilité de travailler sur un faisceau pulsé de particules alpha. Parmi les applications, on trouve la radiobiologie, avec la possibilité de suivre en temps réel l'effet d'un train d'impulsion de particules alpha sur des populations de cellules en culture, et ce, à l'aide de l'imagerie de fluorescence. Les partenaires de cet Equipex sont impliqués dans l'enseignement supérieur dans des domaines allant de la physique nucléaire à la médecine nucléaire. Aronax Plus permet de consolider ces programmes en leur donnant une attractivité internationale et un contexte plus technologique grâce à l'utilisation des nouvelles plateformes. En plus de ces enseignements universitaires, Aronax Plus, en lien avec le labex IRON, va développer des formations professionnelles spécialisées de courte durée et des formations grand public. Aronax Plus constitue un outil unique de recherche et d'innovation largement ouvert au partenariat public-privé qui permettra en médecine nucléaire translationnelle et en radiopharmacie des applications révolutionnaires.